âge. Jésus est mort à la croix, il m'a donné le pouvoir sur toi. Ça, je viens de plaisanter. Si vous constatez que vos enfants ont des cauchemars, ils crient. Vous voyez un enfant en train de dormir, il crie. C'est fini, ils ont mis quelque chose en lui. Attaquez l'esprit. Montez. Si l'enfant impose, lui les mains. Chassez les démons. Ne travaillez pas, oh mon enfant. Vous avez le pouvoir de Jésus. Chassez les démons en même temps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est fait un peu tard. Demain matin, je serai là à 5h. Je vais poursuivre la délivrance. Tenez-vous debout. Je serai là à 5h du matin. On se tient debout. Alléluia. Mets ta main sur ta tête. Il est bientôt minuit. Tu as vu quoi comme prière? J'ai senti une grande force. Oui. Qui tient toi? C'est-à-dire que l'esprit est parti. Voilà. Jésus. Vous savez, quand quelqu'un meurt, on dit l'a rendu l'âme. C'est-à-dire l'âme est partie. Oui. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Quand vous faites la divorce de quelqu'un, quelque chose sort. L'esprit, non, il devient une personne normale. Qui ne sera plus influencé par un démon. C'est fini. Ouais, c'est fini. Mais c'est même qui devenait fou. C'était moins un qui devenait fou. Mais ce qu'il a là, c'est dangereux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Demain, vos Goliaths vont tous tomber dans le nom de Jésus. Tu vas mettre ta main sur ta tête pour dire, Dieu, je sais que tu es dans ma vie. Dieu, je sais que tu es dans ma vie. Mettez la main sur la tête. Nous allons commencer à parler au diable, à ce petit démon qui ne veut pas que tu avances. Ce petit démon qui t'a bloqué, il ne veut pas que tu avances. Ce petit sorcier, tu vas parler, dis quelque chose à ce démon, à ces sorciers. Vous dites, c'est la fin de leur histoire. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions. Nous prions.